Bien, bonjour. En quelques minutes, une présentation sur ce que l'on fait en matière de diagnostic et de suivi de la tuberculose au laboratoire de l'IHU, avec des diapositives que certains reconnaîtront, puisque l'interne qui s'occupe de ça avec moi en ce moment a largement contribué à préparer ces diapositives. Bien, donc on a, en 2019, on a continué à recevoir, vous ne le verrez pas, autant de prélèvements que les années précédentes, c'est-à-dire qu'à la louche, on reçoit en gros un millier de prélèvements par mois pour recherche de tuberculose essentiellement pulmonaire. Et c'est relativement stable au cours des années qui se sont écoulées. Ces prélèvements, vous voyez, proviennent essentiellement des hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Marseille, y compris bien entendu des services de l'IHU qui en sont le fournisseur numéro 1. Mais on reçoit, comme vous le verrez peut-être sur d'autres diapositives si elles existent, on reçoit également des prélèvements et ou des souches d'autres laboratoires, essentiellement des Bouches-du-Rhône, éventuellement d'autres départements. Et donc vous avez là une figure de ce qui vient, et vous voyez qu'ensuite, en dehors de Marseille, les deux gros fournisseurs de prélèvements ou de souches sont d'une part Salon de Provence, d'autre part Martigues, et puis enfin, de façon de plus en plus conséquente, Aix-en-Provence. Donc on a un petit rôle de laboratoire de référence, je dirais, que je souhaite continuer à développer. Les positifs en 2019 et le nombre ne figure pas, ils étaient 85. Donc nous avons diagnostiqué exactement, nous avons documenté exactement 85 tuberculoses en 2019. Et les espèces responsables de cette tuberculose étaient avant tout l'espèce Mycobacterium tuberculosis. Je vais y revenir peut-être si j'ai les bonnes diapos. Et ensuite, en dehors de la tuberculose, qui fait l'objet principal du propos, bien entendu, on est amené à diagnostiquer d'autres mycobactéries. Le groupe Avium, qui, comme vous le savez, constitue des pathogènes opportunistes essentiellement respiratoires dans un certain nombre de circonstances, notamment la mucoviscidose, mais pas uniquement. Des mycobactéries du complexe intracellulaire, dont Mycobacterium chimerae, qui a défrayé la chronique en son temps, il y a 2-3 ans, étant responsable d'une pandémie mondiale de cas liés succédant de la chirurgie cardiaque et valvulaire, liée à la contamination par cette mycobactérie non tuberculeuse des machines de CEC, de circulation extracorporelle. Donc il se trouve qu'un des fabricants, un fabricant allemand de machines de circulation extracorporelle a vu ces machines contaminées dès le stade de la fabrication. Ces machines, bien entendu, ont été vendues dans un grand nombre de pays, en Europe et aux États-Unis, au Canada. Et donc un certain nombre de patients ont été contaminés par cette mycobactérie, Mycobacterium chimerae, à l'occasion de la circulation extracorporelle pour chirurgie cardiaque essentiellement. On est amené à diagnostiquer quelques cas de xénopie. On a diagnostiqué l'an dernier, sauf erreur de ma part, 2 cas de Mycobacterium ulcérans. Et puis, vous voyez, quelques autres microbes, dont certains sont moins bien connus, comme Mycobacterium persicum, que l'on est en train d'écrire. Deuxièmement, pour ce qui concerne la tuberculose elle-même, maintenant, vous savez que la tuberculose, vous participez, pour ce qui est des internes, enfin, tous les internes participent au diagnostic de la tuberculose, mais pour les internes du laboratoire, vous savez que vous y participez en réalisant au POC un test moléculaire de PCR, qui est, pour ce qui nous concerne, le test GeneXpert. Il en existe d'autres sur le marché. Ce test moléculaire détecte le complexe tuberculeux. À l'intérieur du complexe tuberculeux, il y a plusieurs espèces, et c'est, comme je vous l'expliquerai peut-être en pratique, le séquençage génomique qui nous permet maintenant de faire l'identification de façon fonctionnelle à l'intérieur du complexe tuberculeux. Donc pour ce qui est des 85 tuberculoses diagnostiquées en 2019, eh bien ces 85 étaient essentiellement dû à l'espèce Mycobacterium tuberculosis, et puis nous avons diagnostiqué quelques cas d'infection à Mycobacterium bovis, et c'est vraiment pour moi qui sont là, donc 3 cas, c'est pas beaucoup,
Mais enfin, ça, c'est vraiment l'apport du séquençage. En pratique, je passais à côté complètement de l'identification de Bovis, les tests phénotypiques décrits dans les livres étant médiocrement fonctionnels. Et puis, on a été amené, voyez, à diagnostiquer également Mycobacterium africanum. Donc, pour l'instant, on a diagnostiqué trois espèces différentes dans le complexe tuberculeux, de façon écrasante, bien entendu, l'espèce Mycobacterium tuberculosis elle-même. L'incidence, voyez, rapportée au nombre d'examens, hein, donc je vous disais, il y a environ 1 000 demandes par mois, et de 0,7, et puis l'incidence, là, au niveau des patients, est de 1,64. Ces patients, encore une fois, voyez, étaient originaires, ça c'est le code postal de l'adresse du patient, étaient originaires essentiellement de Marseille. Je rappelle qu'en tout, il y a 85 cas qui figurent sur cette carte. Donc, vous voyez, 55 sur 85 cartes étaient des patients résidant à Marseille. Et puis ensuite, un petit peu partout dans ce qui est, à ma connaissance, la zone d'attraction du CHU en pratique. Hein. Vous savez bien que là, il y a une frontière qui s'exerce. À ma connaissance, la zone d'attraction du CHU, c'est exactement ça. Quand on est là, on va vers Arles. Pas un CHU, mais patients vont plutôt vers Arles. Donc ça suit la carte d'attraction naturelle de notre assistance publique en fait. Au-delà des Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Var, Alpes-de-Haute-Provence, qui sont recrutés maintenant en réalité par le laboratoire de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Hein, les regroupements hospitaliers, c'est Alpes-de-Haute-Provence, Aix-en-Provence, et puis comme je vous l'ai dit, Aix-en-Provence travaille de plus en plus avec l'IHU dans ce domaine-là. Les formes cliniques étaient essentiellement des formes pulmonaires, avec quelques formes ganglionnaires. Et puis l'an dernier, depuis 2018 en fait, on continue à mettre au point des outils pour essayer d'améliorer le diagnostic, améliorer, c'est-à-dire soit aller plus vite, soit être plus sensible, je dirais finalement. Et donc un des outils que l'on a mis en place, c'est de mettre du phish spécifique. Donc ça, c'est du phish qui est spécifique du complexe tuberculeux, non pas de chacune des espèces, mais du complexe tuberculeux. Et donc vous avez à droite l'image en ZIL que vous connaissez par ailleurs, et vous voyez ce même microbe, mycobactérie tuberculeuse, est visualisé là par une sonde fluorescente spécifique du groupe tuberculeux. Une image un peu plus jolie sur laquelle, en plus de la sonde fluorescente qui vous marque les bacilles tuberculeux, on a réalisé une coloration non spécifique par un colorant des acides nucléiques de couleur bleue qui s'appelle le DAPI, qui colore tous les acides, enfin tous les ADN, quels qu'ils soient. Et donc, à chaque fois qu'il y a des tas bleus, eh bien, ce sont des amas bleus, ce sont la plupart du temps des noyaux de cellules. Il s'agit là d'une expectoration. Et puis, ce type d'outil phish assez spécifique est utilisé maintenant, on est en train de finir de le mettre au point, mais est utilisé pour repérer des mycobactéries dans des prélèvements fixés et en plus. Pour quelques patients, malheureusement, on ne dispose que de biopsies fixées et incluses, qui sont donc du matériel qui est impropre pour l'isolement et la culture des mycobactéries, comme de tout agent infectieux, vous le savez. Dans ce cas-là, eh bien, ce que l'on est en train de mettre au point, c'est de séquencer directement le génome de la mycobactérie que l'on ne cultivera probablement jamais. Et donc, pour aller faciliter le travail de séquençage génomique, eh bien, on est en train de finir de mettre au point pour la tuberculose et les mycobactéries une technique qui a été mise au point auparavant par Mathieu Millon dans un autre domaine, publiée par exemple pour le diagnostic d'endocardite, qui consiste à aller repérer sur une biopsie pulmonaire, une lame de biopsie pulmonaire, comme c'est figuré sur cette diapositive, repérer les mycobactéries en ZIL, les repérer ensuite plus précisément en phish, et aller découper ça au laser, et ensuite pouvoir séquencer directement le génome de ce petit groupe de mycobactéries. C'est-à-dire, en pratique, essayer d'éliminer le plus possible l'ADN humain qui va contaminer nos manips de séquençage derrière. C'est ça l'idée générale, donc ça c'est quelque chose qui est en cours que l'on est en train de finir de mettre au point au laboratoire. Une deuxième chose que l'on a mise au point au cours des 18 derniers mois est de pouvoir différencier sur ces mycobactéries de la tuberculose les formes vivantes, les formes mortes et les formes quiescentes. En réalité, dans notre corps, il peut y avoir, bien entendu, des microbes de la tuberculose qui sont vivants, que l'on a appelés dans ce travail dynamiques, qui sont évidemment contagieux.
Il peut y avoir, bien entendu, des mycobactéries tuées. C'est ce que l'on cherche ensemble à faire lorsque l'on va commencer à traiter un patient par des médicaments antituberculeux. On va chercher à tuer, en réalité, les microbes. Et puis, il y a une forme intermédiaire pour la tuberculose. Cette forme intermédiaire existe pour un grand nombre de microbes, virus, bactéries. Mais pour la tuberculose aussi, il y a une forme de quiescence dans laquelle les microbes sont vivants, mais ne se répliquent pas, ils ne sont pas du tout réplicatifs. Donc ils sont vivants, ils ont un métabolisme minimum, ils se cachent en quelque sorte dans les tissus. Et donc on a mis en place une technique de coloration qui permet au microscope de repérer ces trois formes de mycobactéries, de les compter. Et bien entendu, une application de ça, c'est le suivi des patients sous traitement. Et donc ce que l'on essaie d'implanter en routine, c'est de faire cette coloration pour les expectorations de suivi par rapport, bien entendu, à l'expectoration princeps qui a permis de faire le diagnostic de tuberculose chez le patient. Voilà, ça c'est publié avec Carole. Dernier aspect, avant de passer à la deuxième partie de cette présentation, je rappelle que il y a tout un tas, on a vu, de microbes graves, dangereux, qui tournent autour de nous. Mais la tuberculose continue à tuer. Ça, c'est les chiffres ici à Marseille. Donc, l'an dernier, en pratique, 5 décès sur 85 cas. Cette année, en 2020, on en est certainement à un décès. Le deuxième, j'attends de voir demain, on verra. Mais enfin, on a déjà un décès par tuberculose pulmonaire en 2020. Donc, c'est une maladie qui continue à tuer. Deuxième partie, si on met les données de 2019 un petit peu en perspective des années précédentes, le nombre de prélèvements, c'est ce que je vous disais, en pratique il est stable. Ça c'est une courbe cumulative, ça veut dire que lorsqu'elle est strictement droite comme ça, c'est que les choses sont stables au cours du temps. Donc le nombre de prélèvements n'a pas bougé. Par contre, lorsque l'on suit, et on essaie de faire ça de façon hebdomadaire, le nombre de cas positifs, maintenant le nombre de tuberculoses, eh bien ce que l'on voit, c'est que bon là c'est à peu près droit. Et à partir de là, vous ne voyez pas bien, mais c'est la fin 2017, on a, vous voyez là, un point d'inflexion. On a une cassure de la courbe de façon incontestable. Donc on a eu, à partir de fin 2017, une augmentation du nombre de cas, un excès, si vous voulez, de nombre de cas par rapport à ce qui aurait pu être attendu si toute chose avait été égale par ailleurs. Vous voyez bien que si on avait poursuivi sur la même trajectoire, notre courbe aurait été là. Et donc on a un décalage. Il s'est passé quelque chose. Donc on a essayé de comprendre et on continue à essayer de comprendre pour tout dire qu'est-ce qui s'est passé en 2017 pour donner une inflexion péjorative de la courbe qui se traduit, vous voyez, par ce nombre de ce chiffre-là, qui pour moi est tout à fait intéressant. C'est l'incidence annuelle. Vous voyez, on a une incidence de 1 environ. De 1% au cours des années 2015, 2016, 2017, et à partir de 2018, vous voyez, on est passé de 1 à 1,5, 1,64, et puis cette année, c'est déjà bien parti, ça c'est des chiffres, qui sont des chiffres actualisés, on est sur juste 2 mois de l'année 2020. Donc c'est énorme en réalité, il s'est passé quelque chose. Alors pour essayer de comprendre cette inflexion, eh bien on s'est lancé dans un programme de séquençage génomique massif de toutes nos souches, qui peut donner lieu à ce type de travail. Donc là, bien entendu, vous avez toutes les souches. Et ça, c'est ce que l'on appelle une analyse en pangénome, c'est-à-dire que chaque petit trait bleu représente effectivement un bout de séquence. Donc la somme de tous ces petits traits bleus, c'est tous les petits bouts de séquence que l'on a réalisés. Il y a environ 200 souches multipliées par 5 millions de bases en moyenne par souche. Donc vous voyez, là-dessus, il y a à la louche environ 1 milliard de bases à analyser. C'est comme ça. Donc il y a sur ce tableau, c'est à peu près 1 milliard de bases, à peu près, qui doivent être analysées. Que donne l'analyse de ce milliard de bases? Eh bien, codées par couleur, ce sont les différentes familles génétiques qui sont connues actuellement dans l'espèce Mycobacterium tuberculosis, ou de façon plus large, dans le complexe tuberculeux. Et donc, on voit que l'on a une écrasante majorité d'une famille génétique qui s'appelle la famille euro-américaine, suivie d'une famille que vous connaissez par ailleurs, qui est la famille Bijin. Vous savez qu'on essaie de la détecter très rapidement aussi dans la journée même, celle-ci, parce que c'est une des familles, c'est pas strictement la seule, mais enfin c'est une des familles qui est réputée les plus contagieuses, une famille de tuberculose qui est également associée à de la résistance aux antituberculeux dits de première ligne. C'est ce que l'on dit ailleurs, mais pas ici. Et puis on a, évidemment, des souches d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien
et puis des souches indo-océaniques. Ça, c'est la même figure encore plus détaillée, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur de chacune de ces familles génétiques de façon plus précise. À quoi ça nous a servi de faire cette analyse qui est en cours de... On finit de l'analyse de ça, eh bien ça nous a permis de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui s'était passé à partir de 2017. Apparemment, vu à travers les génomes en tous les cas, on a eu deux phénomènes en même temps. On a eu d'une part l'importation de cas de tuberculose, c'est ce qu'on a déjà présenté ici. Il y a des patients qui viennent avec une tuberculose pulmonaire qui vont développer très rapidement après leur arrivée dans notre ville, dans notre région, une tuberculose pulmonaire. Et donc une partie des familles génétiques que l'on a diagnostiquées traduit en réalité l'importation de cas de tuberculose pulmonaire. Et ces familles sont des familles qui sont trouvées par ailleurs dans les pays d'origine. Ça, c'est un début de map monde qui est basé sur le pays de naissance du patient. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, ça donne une idée. Donc vous voyez que sur 2017-2019, eh bien, la plupart des patients que nous avions diagnostiqués étaient nés en France, et puis ensuite, le deuxième pays de naissance des patients que nous avons diagnostiqués était l'Algérie, ensuite le Maroc, et ainsi de suite. Et vous voyez que ce travail n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on a encore un gros contingent de personnes pour lesquelles il faut que l'on précise cela. Donc première chose, c'est de l'importation de génotypes, de patients qui viennent dans notre région avec une tuberculose pulmonaire. La deuxième chose qui est figurée par ces cercles rouges, c'est l'expansion d'un certain nombre de familles. Donc en réalité, on a probablement eu une augmentation à partir de 2017, non pas liée, là, pour une fois, vous voyez, ce n'est pas une expansion d'un clone donné, donc c'est un schéma un peu différent de celui que l'on présente souvent. Souvent, effectivement, on a affaire, là, on le voit là, voilà, on est en plein dedans, vous voyez, il y a un clone d'un virus, d'une bactérie, éventuellement d'un champignon, c'est parfois un peu plus difficile à détecter, mais enfin, il y a l'expansion d'un clone, d'un microbe pathogène de l'homme qui crée l'augmentation du nombre de cas et l'incidence. Là, on a un schéma différent, on a une expansion qui est polyclonale en réalité, et dans cette polyclonalité, il y a deux choses. Il y a effectivement l'expansion de quelques clones particuliers, dont le clone BGIN, dont je parlais tout à l'heure, et puis deuxièmement, l'importation très très polyclonale qui traduit l'augmentation du nombre de patients par eux-mêmes, indépendamment, vous voyez, des souches qui ont causer la tuberculose chez ces patients, chez ces personnes. Donc un modèle un petit peu différent d'un modèle d'expansion monoclonale que l'on vit par ailleurs en ce moment tous ensemble. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qui se passe en matière de tuberculose dans une grande ville de Méditerranée comme Marseille et de la région, et puis en même temps de vous présenter les outils de laboratoire que l'on essaie de continuer à mettre au point pour, encore une fois, aider à faire le plus rapidement possible et de façon la plus efficace et précise possible le diagnostic. Le dernier point, je n'ai pas de diapositive et je vais m'arrêter avec là, c'est que basé sur les génomes, eh bien on en déduit la sensibilité-résistance. Nous ne faisons plus d'antibiogramme phénotypique depuis maintenant 18 mois. On ne fait plus d'antibiogramme phénotypique. On regarde le génome et donc on vous rend maintenant un antibiogramme in silico, en particulier les 4 molécules antilépreuses dont nous essayons de prêcher l'utilisation en première ligne. Merci.